On sait que vous êtes un fin connaisseur de la géopolitique du Moyen-Orient et particulièrement de l'islam radical aussi. Et je souhaitais justement revenir ce matin avec vous sur ces tensions de plus en plus fortes entre la France et la Turquie. Erdogan qui a appelé au boycott de la France après les discours successifs d'Emmanuel Macron. Et Erdogan, que vous qualifiez d'ailleurs de néo-sultan, a de nouveau menacé hier les Français en s'en prenant au journal Charlie Hebdo qui a osé, dirais-je, le caricaturer. Une attaque ignoble, a-t-il dit, commise contre ma personne par des vauriens. C'est ce qu'a donc dit le président turc Erdogan. Pourquoi la France, Alexandre Delval, dérange autant Erdogan? Est-ce que ce n'est qu'une histoire de caricature ou il y a quelque chose derrière d'un peu plus profond? Alors premièrement, il faut rappeler qu'il y a déjà 4 ou 5 ans, ce qui restait de presse libre en Turquie, avant le tour de vis autoritaire, déjà avait caricaturé Erdogan, ça ne lui avait pas plu du tout, il y avait eu des procès et même des incarcérations. Donc vous voyez, ce n'est pas uniquement par rapport à la France, mais ce monsieur, ce que j'appelle néo-sultan, parce qu'il se prend vraiment pour un sultan, ne supporte pas les moindres critiques, les moindres moqueries, il fait systématiquement des procès à ceux qui le caricaturent, même quand les dessins ne sont pas horribles, une fois il avait été caricaturé en chat, c'était pas vulgaire non plus, c'était très rigolo, et il avait absolument pas supporté, parce qu'en fait, il veut cultiver l'image d'un néo-calife, d'un sultan, qui est quasi sacré, et donc on ne se moque pas d'un futur calife. Il faut savoir qu'il est très fier que les frères musulmans, à travers leur grand juriste Kardawi, ont décrété qu'il avait tout le profil du futur calife si le califat était rétabli, ce qui est quand même un signe très très inquiétant. Dans le monde musulman, il y a une sorte de concrétisation de l'idéologie islamiste qui gangrène toutes ces sociétés depuis longtemps. Et la concrétisation du programme islamiste, ben, c'est la volonté de rétablir un califat. Et donc c'est dans ce contexte qu'il a déclenché cette polémique pour montrer qu'en fait il est le protecteur des musulmans du monde entier, bien entendu de la cause palestinienne, toujours protecteur du Hamas. Et le boycott, il faut quand même avoir une lecture lucide. Hein. Il a surtout concerné quelques partis politiques, quelques groupes ici ou là, de centaines, ou parfois c'était que des centaines, parfois des milliers de personnes. Mais les seuls pays qui ont vraiment suivi officiellement sa rhétorique et ses positions, c'est le Qatar, le Pakistan et le Koweït. Pourquoi le Koweït et le Qatar? C'est absolument logique. Le Koweït est un des pays sponsors des frères musulmans et le Qatar est le parrain des frères musulmans avec la Turquie. Donc on voit bien que la géographie de la lutte contre la France et la paye au boycott et la diabolisation de la France, c'est la géographie des frères musulmans. Et le Pakistan, c'est pas étonnant non plus. Le créateur des frères musulmans, on le sait, Hassan al-Banna, s'était inspiré de l'islamisme pakistanais et avait séjourné au Pakistanais, avait lu les islamistes. Il y a depuis toujours un lien entre frères musulmans, Pakistan, et la Turquie est devenue, avec le Qatar, son protecteur diplomatique et financier. Oui, alors justement, Erdogan souhaite faire croire au monde musulman que la France, en fait, mène une guerre contre les musulmans. Mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que d'autres pays musulmans sont aussi contre Erdogan, notamment les Émirats Arabes Unis, l'Égypte entre autres, qui ont d'ailleurs lancé de leur propre chef le boycott de produits turcs. En réalité, c'est la guerre menée contre Erdogan. La guerre menée contre Erdogan est une guerre régionale contre l'islam politique. Alors absolument, je pense que vous l'avez parfaitement formulé. Aujourd'hui, il y a le projet des frères musulmans porté par le Qatar, secrètement le Koweït et officiellement la Turquie. Et de l'autre côté, il y a les Émirats qui soutiennent l'Égypte d'El-Sissi, qui est en guerre totale avec les frères musulmans. Il en a fait exécuter, il en a fait emprisonner beaucoup. Ça explique aussi ce qu'il se passe en Libye. Nous sommes alliés de ce point de vue. La France, secrètement, enfin plus ou moins secrètement, aide le nationaliste Haftar à l'Est avec les Russes et avec surtout les Émirats qui payent les mercenaires russes de la société Wagner et les Émirats qui payent aussi les équipements les plus importants et qui envoient des armes ainsi que des pilotes et des avions à l'aide de Monsieur Haftar. Donc on a Égypte, on a Émirats, France, Russie qui aident le nationaliste anti-islamiste et à l'Ouest, qui est-ce qui aide Sarraj, l'homme qui est porté par les frères musulmans et les milices islamistes de Misrata, où arrivent plein de djihadistes syriens qu'on envoie ensuite en Arménie, eh bien c'est la Turquie avec l'argent du Qatar.
Donc il y a vraiment une géographie d'opposition entre, je dirais, les nationalistes ou les pro-occidentaux, c'est pas toujours les mêmes, mais les anti-islamistes qui sont quand même plutôt nationalistes, et de l'autre côté, les frères musulmans transnationaux, avec Erdogan qui est leur chef, et le Qatar qui paie les mercenaires, et les mercenaires bougent d'un pays à l'autre, une sorte d'armée internationale. D'ailleurs, le chef des mercenaires de la société Sadat, Adnan Tandriverdi, s'est vendu lui-même que grâce à ce recrutement de djihadistes dans des troupes, dans des proxys d'Erdogan qu'on envoie un peu partout, en Libye ou en Arménie, eh bien l'idée c'est de constituer une armée islamiste internationale pour défendre les intérêts de l'islam. C'est absolument terrifiant. Le projet de la Turquie aujourd'hui est le projet rival de celui de Daesh, en plus diplomate, en plus étatique, mais c'est vraiment le pays aujourd'hui qui porte un projet néo-califal extrêmement terrifiant, puisque ça rappelle le fait que quand la Turquie était un califat, avant la Première Guerre mondiale, elle a, pendant 5 siècles, harcelé l'Europe, financé des pirateries barbaresques, déporté des milliers, voire des millions d'esclaves chrétiens arrachés à leur famille pendant des siècles. C'est un souvenir absolument terrible pour tous les pays des Balkans. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Erdogan menace aussi d'embraser les Balkans en incitant les communautés musulmanes de tous ces pays à être fiers d'être les agents, les nouveaux sujets d'un nouvel empire ottoman que porterait Erdogan. Oui, la Turquie, vous l'avez dit, est quasiment sur tous les fronts, et je crois que la France l'a bien compris, en tout cas certains partenaires européens ont peut-être enfin compris le risque aussi posé par Erdogan en Méditerranée orientale. Oui. D'ailleurs, la France est le seul pays qui a appelé le président turc à cesser son expansionnisme dans la région, ce qui a pu aussi, on imagine, provoquer le courroux d'Erdogan. Absolument. Alors là, je pense que pour une fois, depuis des années, je ne l'ai pas dit depuis très longtemps, parce que la Libye avec Sarkozy, c'était un désastre diplomatique. Hollande, c'était quand même assez mou. Et là, on a un président qui surprend tout le monde, qu'on a traité de Trudeau au début de son mandat, qui était soi-disant communautariste. C'est vrai qu'il était un peu naïf au début sur l'islamisme. Ouais. Et on a l'impression que tant sur l'islamisme, depuis le discours sur le séparatisme, tant sur la Turquie, on a l'impression que non seulement il est lucide, mais il fait preuve d'un véritable courage physique et mental, parce qu'il n'a pas cédé. La France ne serait plus la France s'il n'y avait pas la liberté. Même, on sait qu'il n'aime pas les caricatures, personnellement, c'est pas son style de se moquer des religions, mais la France n'est pas la France s'il n'y a pas une liberté totale d'expression, surtout sur la religion, puisque c'était le message des Lumières, de la Révolution française. Et donc, il a été extrêmement courageux. Et sur la Turquie, moi je parle souvent à des Grecs et des Chypriotes, eh bien, ils me disent qu'aujourd'hui, il est véritablement vénéré dans le monde grec, car les pauvres Grecs, mettez-vous à leur place, le sultan turc veut faire main basse sur 3 000 milliards de mètres cubes de gaz qui appartient aux Grecs, hein. C'est véritablement ce qu'est en train de faire Erdogan. Il veut s'emparer d'une partie des îles grecques et de la mer, des eaux territoriales souveraines de la Grèce. La même chose à Chypre, où il a envoyé un bateau militaire empêcher du forage chypriote et même empêcher le forage de la compagnie italienne Eni, qui avait signé un contrat avec Chypre. Donc c'est extrêmement grave. En fait, c'est un véritable, c'est ce que j'ai appelé un anschluss maritime. Et comment Erdogan justifie cet anschluss de la Méditerranée? Grâce à un accord avec la Libye, avec le gouvernement de Sarraj, qui représente que 10% du territoire, et il a dit que cet accord fait que c'est comme si on était voisins, alors qu'en droit international, ils sont trop loin pour être voisins, mais la Turquie a dit, entre nous et la Libye, il y a une mer, et bien cette mer est à nous. C'est absolument sidérant, et le seul qui a protesté contre ça, parce que c'est aussi grave pour l'Union européenne, le projet de gazoduc EastMed maritime, qui est un projet européen, est également empêché par Erdogan, qui a dit « rien ne se fera sans moi, surtout pas votre projet EastMed ». Enfin, on n'a jamais vu ça depuis très très longtemps. Mmh. Et Erdogan est le seul qui a envoyé des frégates, même un sous-marin nucléaire discrètement qui est passé par là, aussi un porte-avions, en plus des mots, c'est pas que des mots, il a envoyé des troupes, ce qui a commencé à calmer d'ailleurs les ardeurs de l'armée turque auprès des Grecs et des Chypriotes. Alors justement, une dernière question. On sait que la Turquie quand même est membre de l'OTAN et qu'il y a eu énormément de réactions indignées sur la scène internationale de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut imaginer une forme de répression, de réponse contre Ankara suite à ces nombreuses menaces aujourd'hui d'Erdogan ?
Alors moi, avant même qu'il y ait toutes ces menaces, j'ai toujours dit, depuis que Erdogan est arrivé au pouvoir, et on sait qu'il avait un projet de société extrêmement dangereux, il parlait de démocratie comme un moyen et pas une fin, et un tram, et on s'arrête à la station que l'on veut. Il a tenu parole de ce point de vue. Moi, depuis 2002, mon livre sur la Turquie, où je disais que c'était un cheval de Troie qui voudrait entrer dans l'Europe pour en fait être le parrain de l'islam européen, et d'ailleurs il le fait quand même, ça fait très longtemps que je dis que ce pays n'a rien à faire dans l'OTAN. Un pays qui a aidé des mouvements terroristes, à commencer par le Hamas, et ensuite Daesh, et aujourd'hui Al-Qaïda, parce qu'aujourd'hui, les djihadistes que Erdogan recrute, c'est des djihadistes qui viennent de Al-Nusra, qui maintenant se cachent sous le label HTS, Hayat Tahrir el-Sham. Ce sont des djihadistes d'Al-Qaïda alliés avec des djihadistes turkmènes extrêmement dangereux qui ont fait des crimes de guerre. L'ONU a condamné récemment les djihadistes et les miliciens turkmènes de Syrie qui sont coupables de terribles crimes de guerre et aussi de déportation de femmes et d'utilisation d'enfants soldats. Et on a déjà deux rapports de l'ONU. Donc c'est extrêmement grave qu'un tel pays puisse être membre de l'OTAN. Et tout le monde disait non, c'est irréaliste. Mais pourtant, même Hollande, ancien président de la République, sérieux quand même, raisonnable. Oui, il a appelé hier sur Twitter, en effet, à ce que la Turquie sorte de l'OTAN. Et c'est bien qu'il l'ait fait, puisque quand nous, géopolitologues, avec Frédéric Ansel, on en parle aussi très souvent, quand des géopolitologues le proposent, les politiques disent « mais non, c'est impossible, il y a plein de choses qui sont toujours impossibles à les entendre, c'est comme interdire le salafisme, interdire les frères musulmans, tout ça c'est pas possible ». Non, moi je regrette, la politique c'est le volontarisme, disait De Gaulle. Quand on a une volonté, on peut faire les choses. Il est temps que les pays qui ont compris ce danger fassent des procédures de sanctions à l'intérieur de l'OTAN contre la Turquie, qui serait un préalable un jour à une exclusion. Mais c'est vrai que c'est impossible tant que la plupart des pays européens sont lâches. Moi, je pense qu'il y a une forme d'attitude néo-munichoise. François-Olivier Gisbert avait qualifié dans le journal Le Point Erdogan de futur Hitler. Je pense que ce n'est pas exagéré. Il se comporte de la même manière. Il veut prendre des bouts de territoire partout. Ouais. Il y a des Turcs, ça rappelle la politique des Sudètes. Il y a une volonté de rétablir un empire califal. Il y a une utilisation de djihadistes et une attitude... Merci Alexandre Delval. On n'aura malheureusement plus beaucoup de temps. Je rappelle quand même le titre de votre dernier livre, coécrit avec Emmanuel Razavi, baptisé Le projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde. Merci beaucoup Alexandre Delval et à bientôt sur Radio J.